Bonjour à tous! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je vais enfin tester les pâtisseries de Cédric Grolet. Mais attendez, je vais tester les pâtisseries de Cédric Grolet avec une abonnée. Je suis trop contente. Je vais déguster ça avec Léa. C'est une abonnée avec qui on discute assez régulièrement sur Instagram. Et c'est vrai qu'on s'envoyait toujours des vidéos de Cédric Grolet, de pâtisserie, de machin. C'est dit vas-y, faut qu'on le teste ensemble parce que ça fait trop longtemps qu'on en parle. Du coup là c'est le jour J, ça y est, avec Léa nous allons tester Cédric Grolet. Je suis trop contente, let's go. Je vais la retrouver là-bas, j'essaie d'y aller un petit peu en avance parce qu'il y a toujours la queue. Ça ouvre à midi, là il va être 10h45 donc je vais partir. Comme ça j'arrive à 11h30 et puis moi, s'il faut attendre 2h, on attendra 2h, c'est pas grave. Bon les gars, j'arrive presque, vais-je avoir de la chance? Vais-je attendre 2h? Je pense que j'ai de la chance dans ma vie, donc je vais pas attendre plus de 30 minutes. One eternity later. Là, j'ai attendu une heure en vrai. On a attendu une heure. Et pour ce prix-là, on devrait avoir Cédric Grolet par contre. T'es prête, Mimi? Je suis prête. On est deux. Allez, c'est parti. Bonjour. Bonjour. Bonjour mesdames. Je suis avec Léa. Voilà, ça y est. Et on a nos petites dégustations gros lait, ça va être trop bien. Moi j'ai pris quoi déjà? Ah oui, j'ai pris la pomme, la noisette et le cookie. Ouais, le cookie a l'air vraiment ça incroyable. Oh là là là. Alors nous allons déguster Cédric gros lait chez Brioche Doré. Il y a plus pour manger plus. Ok, testons Cédric gros lait. J'adore, ça va aller. Wow. La pomme, je la laisse pour ma mère. La noisette. Franchement, je pense que c'est le meilleur choix. On a pris le cookie. Il a l'air incroyable. Oh là là, le cookie là. Regardez la cacahuète. Mais la cacahuète, elle a l'air incroyable. C'est que je pense que ça va faire. Je vais couper. Ça a l'air incroyable. C'est vrai qu'elle a l'air vraiment bonne. C'est incroyable. J'ai une pépite d'or. Oui, c'est incroyable. Incroyable. Oh non, non, mais là, c'est trop. J'ai peur, je suis stressée que ce soit pas ouf. C'est incroyable. Oh. Oh. Ah si. Elle est dans tous ses états. Ah si, si, si. Pour faire un peu la feuille. C'est incroyable. Goûte. Wow. Avec ma petite cuillère là. Franchement, j'avais trop peur d'être déçue. Et c'est vrai que c'est pas très sucré, mais tu vas voir. Tu sais que pourtant, c'est censé être la plus sucrée. Un peu... C'est bon. En fait, c'est ouf. Ça a le goût un peu. De la noisette et du caramel beurre salé en même temps. Tu trouves pas, tu sais, le bon caramel? Oui, oui, oui. Tu sens plus le caramel que la noisette. Mais tu crois qu'il y a du caramel? Ah ouais, c'est sûr. Mais tu sens pas le sucre là? Oh, c'est... Elle a mousse aussi autour. T'as un praliné dedans. Praliné en caramel, là il y a une mousse noisette, tu vois. Ah ouais. Et là, la coque, c'est du chocolat. Faut savoir que Léa s'y connaît en pâtisserie, hein. Sachez-le. Allez, je prends un gros bout là. En fait, j'arrive pas à attraper la coque en dessous, c'est pour avoir toutes les nuances. Regarde là. En fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de liquide en fait. En fait, quand tu le casses, après, il ne reste plus rien dedans. Voilà, voilà, ça donne ça en fait. Je vais laisser à ma mère aussi pour qu'elle goûte. En fait, j'ai trop avec ma mère, elle goûte ces trucs. Oh là là, ça a l'air. En fait, t'as pas le choix de prendre que des grosses parts avec ça. Bah oui. Mais je peux pas mettre tout ça dans la bouche là. Non. T'es déçue. Je suis un peu déçue. Mais non. Je te jure. Elle est déçue. Ça s'est vu à sa tête. C'est bizarre. J'ai l'impression qu'elle a la vanille mais en même temps du beurre. Du beurre? Après c'est peut-être parce que c'était les bords, tu vois. Ouais peut-être. Peut-être, hein. Peut-être il faut aller plus... Elle a perdu un bout. Alors à ce prix là faut que tu le ramasses ton beurre. En tout cas on dirait que t'as fait des vidéos YouTube toute ta vie toi. Ah ouais. Ouais d'avoue. En fait du coup là c'est une coque en chocolat. Dedans il y a une ganache je pense vanille. Et là, il y a un insert cacahuète avec des morceaux de cacahuète pour de vrai. Attends, et c'est vrai que ce qu'ils disent sur les réseaux, c'est pas hyper sucré. Non, c'est pas sucré, hein. C'est un peu le goût de yaourt. Enfin, je sais pas, il y a un truc. Mais il y a pas, c'est pas le Snickers, ce Snickers. Hein. En fait, il y a un goût qui me dérange. Tu sais que c'est un goût de glace. Ça a typiquement un goût de glace. Mais la glace au yaourt. Tu sais, les yogourts. Mais je pense que c'est ça. En fait, la ganache, c'est vanille.
Mais c'est le milieu, hein. Mmh. Franchement, je suis déçue de la cacahuète, en fait. Quand tu m'as dit c'est un peu le goût de sneakers, mmh. Bah du coup, je m'attendais à ce goût-là. Mmh. Tu vois, pour la cacahuète. Bah en fait, ça a pas le goût du... Enfin, après, c'est personnel, hein, tu vois. Bah oui, mais oui. Je trouve que ça a pas le goût du sneakers, ça a vraiment le goût de la cacahuète un peu torréfiée. Comme vous êtes dans les fêtes foraines et qu'ils vous donnent les sachets, tu vois. Mais moi, je trouve pas, justement, je retrouve pas ce goût-là de la cacahuète. Mais si goût ça. Alors, j'ai un problème. Non. Mais ça a le goût de yaourt. Mais c'est ça, yaourt de vanille. C'est ça le goût qui me dérange. Mais en fait, je pense qu'ils étaient obligés d'adoucir un peu leur, la cacahuète. Ah, mais ça, le cookie, par contre, là. Bon. Non, c'est super bon. Au-dessus de la noisette? Non, pas au-dessus de la noisette, non. T'es genre au propère à la noisette. Mais t'as du praliné de la noisette. Non, mais ouais. Goûte, j'ai hâte d'avoir ton avis. On dirait vraiment une tartelette, quoi. Tellement il est fat, le truc. Le cookie, il est tellement épais. Oh. Elle avait carrément une crampe au bras dans la rue. Ah, je te jure. Regardez l'épaisseur. Mais c'est vrai que c'est vraiment très épais, ça fait genre galette un peu, tu vois. Je la sens déçue. En fait, il est bon, mais c'est pas le meilleur. La cacahuète. Non, mais c'est pas le meilleur cookie que j'ai mangé. Ouais. Moi, vraiment, j'en ai mangé des très bons. Tu sais, t'as déjà été à New York? Non. Il y a des. Ça s'appelle Leven Bakery. Mmh. Ils sont incroyables. Mais incroyables. Mais en fait, il y a tellement de trucs que tu sens pas le cookie. Attends, parce que moi j'ai pas goûté avec la noisette. Après, je goûte. Faut savoir qu'il est quand même hyper. Il est pas mou, mais il est pas dur. Tu vois, il est au milieu, il est quand même. Je sais pas, il est mou quoi, mais pas trop. En fait, c'est très fat. Hein. Ouais, tu peux pas en manger en entier. Trop de sucre. Et les noisettes, elles sont super bonnes, elles par sont contre. Très très bonnes. Même le praliné, il est très bon. Le praliné est très bon. C'est hyper sucré, putain. Ouais, c'est très sucré, c'est ça, par contre. Très très sucré. Ouais. Par contre, on aurait dû prendre de l'eau là. Ouais, grave. Moi, la noisette, je dirais 8 sur 10. Pourquoi? Comme tu dis, en fait, c'est du vide après. Ouais. T'as plus rien, quoi. T'as ton coulis, ton croquant, mais à l'intérieur, c'est vide. Comme la meringue, tu vois. Ouais, voilà, comme la meringue. Pareil. Mais c'est excellent. Ouais, je crois que je mets 8 aussi. C'est trop dommage que quand on coupe la noisette, ben en fait, il y a tout le coulis qui s'échappe. Ben, la compotée, le coulis, je sais pas trop comment on peut appeler ça, en fait. Parce que c'est du mélange de praliné. Ouais, je sais pas, c'est un insert en fait. Ouais, c'est tout l'insert en fait. Ouais. Il est fondu en fait. Moi, je trouve que la noisette elle est super ouais. Bien. Elle est vraiment incroyable. Ouais. Elle vaut le détour. Elle vaut le détour. Elle vaut le détour, la noisette. La cacahuète, je mets 6. Et moi, je vais être dure, je te jure, mais je mets 5. Et encore, je mets 5. Je mets 5 pour pas avoir d'ennemis. C'est écœurant, tu vois. Genre vraiment, là, je suis écœurée. J'ai mangé la noisette en entier. La cacahuète, ouais, c'est la cacahuète en entier. En entière. Et je suis écœurée, tu vois. Mmh. Tu sais, j'ai l'impression d'être des pâtissières professionnelles, nous. Mais et surtout, j'ai l'impression de me... Mais je suis qui pour dire que c'est pas bon, tu vois. Je me dis, putain, le mec, il a fait un travail de ouf. Non, mais c'est ça. Et genre, moi, je suis là, je dis, c'est pas bon et c'est écœurant. Moi, je trouve que tout ce qui est pâtisserie, même le salé en général, c'est hyper subjectif, en fait. Ouais. En vrai. Ça dépend trop des gens. Par contre, le cookie, il se mange sur plusieurs jours, vraiment. Vraiment. Sur chaque repas, tu prends deux petites bouchées avec ton café. Impossible c'est pas mal. De manger ça en une fois. Ou tu le partages, à la rigueur. Ouais, partagez-le. Ouais, 20 euros. Non, mais 20 euros le cookie. Bah, en vrai, tu le coupes en 4, ça fait 5 euros chacun. Ouais, et ouais mais bon, moi, je trouve que ça vaut pas le coup. Qui suis-je encore non. Qui ouais. Suis-je Si je devais racheter des trucs, je prendrais que la noisette. Ouais. Après, c'est bien, on a testé. On voilà. Sait. On s'est fait. C'est notre curiosité nous a démangé. C'est voilà. C'est ça. Mais voilà, c'est le fruit, la pomme, on va voir. Ah, on n'a pas mis de notes. Moi, je mettrais 4, je suis désolée. Pourquoi? Parce que déjà, l'épaisseur, c'est trop, en fait. En vrai, moi, je lui mettrais 5. Mais indépendamment, si tu prends le praliné, il est excellent. Ouais. Oui. Excellent, tu vois. Bah, c'est le même que dans la noisette. Ouais, c'est ça. La noisette est incroyable. Je veux un cookie avec des pépites de chocolat. Alors, ouais, pour moi, si je mange un cookie, il me faut qu'il y ait les pépites de ouais, chocolat. Ouais, je comprends. Genre, tu mets les pépites et après, tu rajoutes les noisettes ou les pistaches et tout, tu vois. Ouais. Mais si j'ai pas mon chocolat, ça me frustre, tu vois. En vrai, je suis déçue de ce crash test. Il y a que la noisette. Mais c'est qui te double, hein, ouais. Cédric. Hein. J'en ai eu pour 54 euros, les amis. 54. Ouais. Ouais. Ah, mais merci beaucoup, Léa. Bah, avec plaisir. Prochaine vidéo. Bah, ouais, c'est ouf. Go tester Cyril Lignac. Je te jure. Maman, je vais te faire goûter des pâtisseries de Cédric Grolet. Est-ce que tu sais qui est Cédric Grolet? J'en ai entendu parler, mais je n'ai jamais rien goûté de Cédric. Est-ce que tu sais ce qu'il fait? Tu connais le concept et tout? Des trompe-l'œil. Trompe-l'œil, voilà. Ok. Alors, moi, je t'ai gardé la pomme, mais qui malheureusement. Et cassé. Ok, maman, goûte. J'y vais. Sachant que c'est mon fruit préféré. C'est son fruit préféré, la pomme. C'est pour ça que j'ai pris la pomme. Mmh. Hey, mais c'est
au top. Ce sont des fruits frais à l'intérieur. Ouais, c'est de la pomme, ouais. C'est super bien équilibré. C'est pas trop sucré. En fait, la pomme est vraiment mise à l'honneur. Je peux goûter, Mams? Attends. Mais elle veut pas que je goûte. Mais maman, elle sent moison. Elle a tout mangé, c'est trop bon. Elle, désolée. Elle a mangé tout. Et je fais comment pour goûter? Il reste que la coque. Ok, bon, je vais goûter le peu qui reste. Tu sais, ça me pensait à quoi, moi? Alors, c'est vrai que c'est pas du tout sucré. Non, c'est... T'as l'acidité... Tiens, maman. Non, mais c'est parfait. Tu as l'acidité de la pomme, en fait. Ça a le goût de compote, en fait, je trouve. Un peu de tarte aux pommes. T'abuses. Non, mais tarte aux pommes, quoi. Non, t'abuses. Ah ouais, tu trouves? Ah non. Bah, c'est bon, les tartes aux pommes. C'est bon, mais là, c'est fin. Oui, c'est raffiné, c'est bien réalisé, ouais. Moi qui aime la pomme sous toutes ses formes, là, c'est quelque chose de fin et de délicat et... Et franchement, regarde, Myriam, je n'y arrive pas. Ouais, ça se mange tout seul, ça va. Ouais. C'est ça qui me plaît, moi, dans ces pâtisseries. Ouais. C'est que je trouve que c'est pas too much, tu vois. Sauf que j'ai mangé une cacahuète et c'était un peu trop, mais... Ça va être plus du praline. Les boîtes, elles sont magnifiques. Elles sont belles, les boîtes. Oh, la vache. Mais j'ai pas envie de les jeter, tu vois. C'est censé ressembler à du Nutella, la noisette, on est bien d'accord. Parce que c'est... Non ? Ouais, praliné, quoi. C'est du Nutella, on dirait. T'as vu ? C'est du Nutella. C'est incroyable. C'est du Ferrero Rocher. Incroyable. Tu préfères quoi entre la pomme et la noisette? Alors, ces deux sujets complètement différents. La pomme pour la fraîcheur, etc. Ouais, et la noisette pour le gourmand. Et la noisette pour le gourmand, quand t'as envie de te faire un petit plaisir bien sucré. Moi, je trouve que la noisette, c'est vraiment mon préféré. Je vais arrêter là, mais... Mais mange tout, hein. Non, attends. Vas-y, finis. Reste quoi, montre ce qui reste. Attends, la coque. Je vends. Elle me dit quoi? Je vais m'arrêter, là. Ce qui est extraordinaire aussi, c'est la finesse de la coque. Elle craque sur la dent. Et c'est pour ça que ça s'est cassé, la pomme. Elle craque sur la dent, c'est un truc de dingue. Je suis dégue que la pomme elle soit cassée, par contre. Ah, mais c'est trop bon, Myriam. À ton avis, j'ai payé combien à la pâtisserie? Je sais pas, mais il faut que tu m'en ramènes plus souvent, en fait. Bah, payez-moi les pâtisseries. Je sais pas, une dizaine d'euros. 10 euros? Non, ça mérite plus, hein. 17 euros, ça m'a coûté. Ouais, mais c'est normal, c'est artistique. J'ai acheté un cookie géant, 20 euros le cookie. Alors que ça mérite plus 20 euros, tu vois. Ouais, c'est bizarre. Qu'est-ce qu'il avait? Pas moi, j'aurais dit plus ça 20 euros. Qu'est-ce qu'il avait vite parlé? Mais je sais pas, tu trouves que ça va? C'est quoi la particularité du cookie pour qu'il coûte aussi cher? Mais je sais pas, ça doit se valoir dans les ingrédients. Je pense que c'est plus. La quantité. Là, celui-là, tu peux le manger en une fois alors que le cookie c'est en plusieurs fois. Mais non, mais là, c'est une dinguerie. Attends, excusez-moi, mais. Myriam, j'ai jamais mangé un truc aussi bon. C'est vrai? Ouais. Franchement. Wow. Mais franchement, big up pour la pomme. Big up pour la pomme. Ah ouais. Là, mais c'est un. Donc ma mère valide Cédric Grolet. Ah mais carrément, et bravo à l'artiste, c'est artistique cette histoire. Ouais, bon. Tu mettrais combien en note? Pour la pomme. Si t'étais chez le meilleur pâtissier là. Pour la pomme? Ouais. Par rapport à mes goûts à moi, mais ouais. 20 sur 20? 20 sur 20. Ok, la noisette? Bah la noisette, c'est moins frais, c'est beaucoup plus gourmand. Ça fait le job, mais donc je mets 18 parce que je veux mettre à l'honneur la pomme. Mercotte, sort de ce corps. Mercotte, tu sais, tu crois pas si bien dire parce que Mercotte elle aime pas quand c'est trop sucré. Ouais, là, c'est vrai. Pour le coup, la particularité de ce que je viens de manger, même la noisette, eh ben, c'était pas trop sucré. Enfin voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci Léa aussi d'avoir participé à cette vidéo. Léa, c'est une abonnée qui a d'accord. participé avec moi. Ah, c'est toi. Ouais, on a dégusté. Bonne idée. Ouais, hier, on a dégusté ça ensemble. Oh, c'est génial. Et voilà. N'oubliez pas, positivité, joie de vivre, bonne humeur. Je vous fais très très gros bisous, on se retrouve jeudi pour une nouvelle vidéo. Bisous, love you. Maman, un bisou. Bisous, bisous. Sarah. Bisous, bisous. Plus d'entrain. Bisous, bisous.